Et on enchaîne tout de suite. Salut tout le monde, c'est Ato, bienvenue dans cette nouvelle session FF7 Remake sur la chaîne. Re pour les gens qui sont sur le live, on continue Final Fantasy VII et c'est trop bien. On passe un super moment. On est arrivé au Wall Market, donc le quartier chaud si vous voulez de FF7, de Midgar, où il y a donc Don Corneo qui retient prisonnière Tifa. On veut la libérer et pour ça, eh bien, nous allons devoir nous infiltrer et c'est Iris qui va s'en occuper. Le pourquoi, on lui cherche une tenue qui nous sera donnée par Madame M qui fait des massages de mains. Incroyable. Et en fait, bah, on a un petit marché avec elle, c'est-à-dire qu'en gros, on gagne ce combat qui suit et le tournoi de Don Corneo, et suite à ça, elle nous aide. Et le combat, justement, il arrive avec un personnage peut-être inédit, un combat incroyable, je ne sais pas. En tout cas, c'est maintenant. C'est l'arme secrète personnelle de Don Corneo. Veuillez maintenant accueillir la Maison Infernale. Attendez pas à ça. C'est qu'une maison ? Rien de plus ? Elle ne semble pas très hospitalière. C'est Animal Crossing ! La mystérieuse maison du diable face au couple le plus miraculeux ! Qui peut se vanter d'avoir assisté à un match aussi extraordinaire ? Personne ! C'est littéralement du jamais vu ! Je parie qu'il restera à tout jamais gravé dans les annales ! Je vous conseille de ne pas cligner des yeux pour ne pas en rater une miette ! Préparez-vous pour l'ultime combat! Que le carnage commence! Et voilà! Alors, si je dis pas de bêtises, c'est un monstre qui existe déjà dans le jeu de base, et je prends ça comme un clin d'œil rigolo. Bon, alors, là par contre, ça a l'air compliqué. Ça a l'air compliqué. Ok, bats-toi toute ta vie, on va analyser et pour une fois, on va lire. Maison infernale, 34 000 PV, cette créature en forme de maison est l'arme secrète de Don Corneo, mais personne ne sait comment elle était créée. Attaquée avec l'élément magique opposé à celui de sa barrière élémentaire, feu, glace, vent, foudre, remplit davantage sa jauge de choc. Donc là par exemple c'est glace. Celle-ci remplit beaucoup plus lentement lorsque le mode invincible est activé, mais sa vitesse de remplissage augmente momentanément tout de suite après que ce mode ait pris fin. Ok. Donc là, en gros, c'est glace. Alors la bonne nouvelle, c'est que mon épée est en glace. Nous le saurons à l'issue de ce combat, pauvre maison infernale, à la mer de déguisée. Alors vu qu'on est sur un combat de boss, on va quand même faire des choses de ce style là. Ouais, cette couleur est un indice. Aïe. À ce niveau là, on peut dire qu'il s'agit d'une très grossière erreur de conception. Donc là je rappelle double magie. Et choc. Oh, mais quel courage. La maison infernale s'est complètement arrêtée de bouger, on dirait. Ok, allez, allez, allez. Boum. Attends. Eh bien, ça s'est vite terminé. Non, pas tout à fait. Oula. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais... Attention! Ouh! Calme-toi, 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 détends-toi. Phase invincible du coup peut-être? Oula! Oula! Compliqué ça. Ah! Là, il est en mode invincible, on est d'accord. Cette épouvantable maison a finalement révélé sa véritable nature. On va attendre un tout petit peu. Devons bien pouvoir faire Cloud et Iris. Allez, plus d'extra soin. Avez-vous bien vu ça? D'adorables peluches sont mises à tomber du ciel, c'est par miracle.
Oula. Incroyable. Hospitalité. Non. Incroyable. Alors là, hop, compétence, vite. Désolé, je parle peu, mais c'est parce que je suis concentré. Le combat est compliqué. Cloud et Iris semblent déterminés à profiter de cette opportunité. Le dernier. Oh, c'est musique. Mais ce jeu, mais c'est tellement l'amour. Des peluches sautent par les fenêtres. Elles sont si mignonnes qu'on voudrait les serrer dans ses bras. Alors, ce qui est bizarre, c'est que... Aïe. Oula, oula. Toujours pas d'éléments pour se défendre. Cloud a l'air d'être sérieusement en difficulté actuellement. Effectivement. Pouvoir continuer le combat dans cet état. La petite prière. Si jamais vous désirez vous en procurer. Allez. Sachez que ces peluches sont disponibles dans la boutique de notre arène. Elles sont en nombre limité, alors surtout, n'attendez pas trop longtemps. On va envoyer ça. Va brûler. Un deuxième. Ah, cette attaque va forcément laisser de grosses séquelles. Ah non. Mince. Oh, le coup de pas de bol. Attaque de foudre, ah ça y est. Donc là, faible au vent, oh merde. Toutes ces violentes attaques sont complètement vaines. La défense impénétrable de la maison infernale donne du fil à retordre à nos tourtereaux. Voilà qui doit faire mal. Même Cloud a rien pu faire pour éviter cette puissante attaque. Ah ça y est, glace. Ok, nickel. Attends, je m'en sens pas. Allez, Shiva, c'est maintenant. J'attendais de savoir en fait ce que j'envoyais entre Ifrit ou Shiva, parce qu'en fonction de son élément, fallait que je mette l'élément en contraire. Mais quelle beauté froide et irrésistible! Cette reine de la glace est prête à tout faire geler dans un grand tourbillon de givre. Ce regard perçant qui vous glace, je suis carrément transi d'amour. Allez. Ils sont ressortis vivants. Encore. En revanche, ils semblent avoir beaucoup souffert à l'intérieur. Et voilà, la maison infernale. Voilà, c'est compliqué là. Oh là, c'est compliqué. Touche sa cible, ça risque de faire mal. C'est tout aussi irritant pour nous qui regardons. Ah et là, au niveau des dégâts, j'arrivais pas. Des chaises recouvrent absolument toute la superficie de l'arène. Attention, on va le perdre. Là, dès qu'il passe en choc, je lui fais tellement mal. Ah. Impitoyablement mise. Ça va être chaud. Vas-y, Shiva. Oh, rien, mais c'est pas grave. Oh, elle est classe. Oh, j'ai fait 200 de dégâts avec Shiva, quoi, s'il te plaît. C'est de ma faute. Un peu. Et de plus en plus. Allez. Difficile pour Cloud et Iris. Garde ton sang-froid. Ça va aller. Non mais, utilise le bon truc. Ouvrez grand vos yeux. La maison infernale est bien décidée à passer à l'offensive.
Bon, ok. Ça va être compliqué. Vraiment. Allez, soin pour tout le monde. J'arrive pas à comprendre quand il me permet d'attaquer avec l'épée ou pas. Alors c'est peut-être parce que mon épée elle est en dégâts réduits quoi qu'il arrive, mais... Il y a un truc qui m'échappe vraiment sur le mode invincible. Parce que là par exemple, je vois pas pourquoi je suis repoussé quand ça fait ça. Cette attaque dévastatrice est signée la Maison Infernale. Allez, c'est bon, on y arrive. Elle a été mise au tapis. Dans cet état, elle est complètement incapable de se défendre. Allez, courage. C'est bon, tu peux y aller. Incroyable. Cloud vient de lancer une attaque dévastatrice avec son immense épée. Ok. Oui, j'ai eu le scan, bien sûr. Mais là, le scan disait que, en gros, en mode invincible, c'est plus lent. Mais après, d'un coup, ça va augmenter dès que le mode prend fin. Mais en fait, quand le mode prend fin, j'ai l'impression qu'il se passe rien et que je peux plus rien faire. Donc, c'est très bizarre. A complètement transcendé okay. Toutes les limites connues. L'arène est entièrement embrasée sous cette attaque. Attention, on esquive. Oula, 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 oula. Merci cette année, merci beaucoup. Ah, trop cool, merci Loï. Avez-vous vu la violence de ce choc? Rien n'aurait pu l'empêcher, c'est sûr. Tiens. À mon tour. Esquive ça. J'ai voulu tenter. C'est Aerys qui va finir le combat. On va faire les magies, ça ira très bien. Quel déferlement d'attaque de la Maison Infernale ! Arriveront-ils à y résister ? Aerys qui a pas assez de matériel, hein. Clairement là c'est un vrai problème. Alors, feu oui. Ça va, ton côté ? Je peux faire. Je compte sur toi. Je vais quoi ? La jambe d'Aerys vient de s'effondrer ! Dommage ça. Merde, ça sent la fin. Sans la fin, si elle m'aspire, ça va être chiant. Non, c'est bon. Tu te sens mieux ? La jolie Aerys ! Parce que là, par exemple, je suis force glace, enfin mon épée est glace, il est faible au glace, et pourtant je fais rien, je comprends pas. J'avoue, j'ai pas là, vraiment, je vois pas le truc. Enfin, c'est sans doute moi qui comprends pas un truc, mais. Mais j'avoue, j'ai pas. Oula. Arriveront-ils à se reprendre, nos chers Cloud et Aerys ? Ah ! Ah ! La porte s'est refermée. Quelqu'un a-t-il jamais réussi à ressortir vivant de cette maison ? Je vois le choix. Ah, cette attaque va forcément laisser de grosses séquelles. Allez, prière. Oui. Ok. Le chef de soutien de la part de la douce Aerys. Véritable brise apaisante souffle dans la mer. Petit à petit, hein, ça va bien se passer, vous ça inquiétez pas. Non seulement des forces, mais en plus, ça met du baume au cœur. Sois patient. Mais non, il a pas ciblé, j'en reviens pas. Voilà une nouvelle salve de missiles. Regardez-moi ça. Quel pouvoir de destruction incomparable. Ça va se passer. Merci Kariti. Ce combat, mon dieu. Ça n'a
faire autant de dégâts qu'ils le veulent. Bon, je vais vraiment devoir lancer toutes les magies de la vie, donc je vais claquer un éther. Je voulais pas trop le faire, mais je vais être obligé. Bon, après on en a 15, en vrai, je suis quand même de ouf. Donc là, on est d'accord, c'est vent. D'accord. On dirait bien qu'ils veulent faire le farci. Allez. Là, on a fini par mordre la poussière. C'est repris. Ce combat incroyable promet d'être de plus en plus difficile. Tu veux que je reste à l'écart? Le combat est vénère. Hein. Ouh là 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 là. On dirait bien que la maison infernale a pris un gros avantage. Aïe aïe aïe. Oh là là. Oh là là. Ouah, elle a sauté. Elle s'est envolée. C'est une nouvelle page de l'histoire de l'architecture qui vient juste de s'écrire sous nos yeux incrédules. Incroyable! La maison infernale vient d'effectuer un changement de barrière. Qu'est-ce qu'elle peut bien nous préparer, cette démoniaque habitation? C'est pas possible. C'est pas vrai. À moi de jouer, d'accord? Ce boss-là en difficile, ça va être tellement horrible. Mais vraiment. C'est comme si une maison venait juste de tomber du plafond. C'est tellement dur. T'as zéro répit, quoi. L'absence de mesures de prévention risque d'être mortelle. Ça fait 10 minutes qu'on est dessus, hein. 15 même. On dirait bien qu'est venu l'heure des cadeaux. Un petit don de Dom Corneo pour nos combattants. Est-ce qu'il peut bien y avoir dedans? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Rien n'a l'air de marcher contre la maison infernale. Non, effectivement. Bon là la fragilité ça a bien marché par contre. Allez, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Ça va de ton côté? Fini de jouer. Ah, cette attaque va forcément laisser de grosses séquelles. Ah c'est sûr, c'est pas la petite maison dans la prairie, non, effectivement. De sacrifier. À vous tous qui vous retenez pour aller aux toilettes, préparez-vous à aller vous soulager. Ok, ça remarche. Sur la phase 2, ça marchait pas très bien, ça, avec tout de la fragilité. Un bon moyen pour repousser les arrêts. En même temps, on va pouvoir re-alléger le combat, ça va re-être simple. Ouf. Voilà. Je te laisse faire. À mon tour. Alors. Ok. La maison infernale volante. Ah, elle vient de faire un décollage glorieux afin d'obtenir la victoire. C'est censé marcher. C'est vrai Kaiser, parce qu'en fait je l'ai fait plusieurs fois le truc avec la bonne faiblesse. Et j'ai l'impression qu'il est juste, il prenait des dégâts. Mais pas, c'était pas incroyable non plus quoi en termes d'ouverture. Alors que là par contre ça rouvre un peu. Sa barrière vient de changer. Est-ce que donc là on est d'accord, c'est vent. Encore que ça marche, mais ça va, voilà. Je vais me surpasser.
Voilà une attaque qui a su arrêter net l'assaut mortel de la maison infernale. Le pouvoir des pieds vient juste d'abattre son immense adversaire avec grande efficacité. Ouais, puis évidemment à tous les gens qui sont pro gamers sur le chat, hein, bien évidemment achetez le jeu, jouez chez vous quoi. C'est... On va résumer ça comme ça. Ouais, victoire. Quel combat. C'est génial. Ce n'est pas fréquent que quelqu'un attire ton attention. Est-ce qu'il te plaît? Bon sang, ce boss! Boah! Bon, sacré truc quand même, hein. Assez compliqué, beaucoup de spam. Oh putain, j'ai cru que c'était Snake sur la gauche, rien à voir. Est-ce qu'il a des choses à nous dire? Ah, vous voilà! Je vous cherchais. Madame M m'a demandé de vous transmettre un message de sa part. Vous vous êtes bien battu, venez à ma boutique quand vous serez prêt. Dites, au fait, ça vous intéresserait pas de continuer de faire quelques combats à l'occasion? Les événements comme la Coupe Cornéo ne sont pas fréquents, mais on organise toujours quelque chose dans l'arène. Ah, petite catanax du coup. Intéressant. En vrai, c'est une bonne idée, hein. Ça permet de prolonger un petit peu le plaisir et c'est une bonne chose. Cette petite merveille cache en réalité une bombe puissante. Avec, sachez-vous, les voleurs ne vous poseront plus de problème. D'accord. Je suis pas comme ça, moi. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Dépêchez-vous d'en profiter. Ok, bon, on va... Bon, j'imagine qu'il y a un boss optionnel vénère sur le sur l'arène. La vraie question, c'est est-ce qu'on peut y retourner plus tard ou pas? Oui, ok, bon, bah, très bien. Je vais répondre à la question la plus importante. Là, je rappelle, je pense à vous, je pense à l'histoire. Bon, j'avoue, je pense à moi aussi parce que je suis dans l'impatience. Oui. Vous voilà enfin. Tout est prêt pour habiller Aerys correctement. Mais avant ça, je voudrais te parler de quelque chose. Il paraît que c'est toi, le fameux mercenaire qui résout les problèmes. Malgré tout ce qu'on dit sur toi, il me semble que tu n'as rien fait pour aider les gens du bidonville du secteur 5. Tu crois peut-être que les gens sont dupes? Ce sont nos actes quotidiens qui définissent notre valeur aux yeux des autres. Par conséquent, je vais préparer une robe à la hauteur de tes efforts. Enfin bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Je ne fais que vous prêter cette robe, alors pas question de quitter le quartier avec. Vous êtes prêts? Allez, on va dire oui. Très bien, dans ce cas, je vais me mettre immédiatement au travail. Mais sache qu'une femme met plus de temps à se préparer que peut l'imaginer un homme. Voyons, voyons, qu'est-ce que tu pourrais faire pour t'occuper? Tu sais, il y a certains endroits où on ne peut pas aller avec une femme. Profite donc de cette occasion pour t'y rendre. Après tout, tu as l'air de t'y plaire dans ce quartier. Ne t'inquiète donc pas, tu ne seras pas seule pour trouver des moyens efficaces de tuer le temps par ici. Les hommes se comprennent mieux entre eux. Alors j'ai demandé à Sam de bien vouloir s'occuper de toi. Qui vous a dit de prendre sa liberté? Tu sais vraiment pas ce que tu veux, mon grand. Si tu veux un bon conseil, tu ferais bien de profiter de cette occasion pour te débarrasser de cet aspect indécis de ta personnalité. Revenons à nos moutons. Je te prie de me suivre, Aerys. J'ai vraiment hâte de voir quel genre de robe je vais porter. S'il s'agissait que de la robe encore, on va devoir tout revoir. Ce maquillage d'amateur, ta coiffure mal ajustée et tout le reste. Tu vas être transformée, ma petite.
Waouh! Bon, alors on se revoit plus tard, Cloud. Pas question de regarder avant que ça soit fini. Hier déjà pour parer, fièrement sa beauté. J'ai l'impression de vivre Mulan, là. C'est très bizarre, c'est très bizarre. Oui, elle est vénère, la madame. Alors évidemment, voilà, quelqu'un sur le chat a dit « Voilà, c'est pour ça qu'il fallait faire les catanex. » Oui, mais moi, j'ai envie de vous dire, non, c'est pour ça que c'est cool quand t'as fait les catanex, t'es récompensé, en fait. Il faut rien faire, à part juste jouer au jeu et y jouer comme on a envie d'y jouer. Point. Le perso est trop bien, ouais. Salut. Madame M m'a tout expliqué. T'es devenu un champion de l'arène avec ton ami. Et maintenant qu'elle est occupée... Tu vas en profiter pour goûter au plaisir de la nuit. Le coquinou hein? Pardon? Allez, te fâche pas. En plus, j'imagine que Madame M t'a pas donné le choix. Mais bon, t'es en effet quelqu'un qui sait très bien se battre. Ça, je suis bien obligé de le reconnaître. Mais il te manque quelque chose, tu vois? Par conséquent, je pense que tu devrais te réjouir. Profite de cette opportunité pour mûrir en tant qu'homme. Oula! Et puis, s'il y a une fille que tu veux protéger, c'est justement ce qu'il te faut. J'ai des boulots qui pourraient te convenir. Alors, t'es prêt à travailler? Juste de quoi passer le temps. J'aime cet état d'esprit. Bon courage à toi, Cloud le mercenaire. Bon courage à toi, Cloud, le mercenaire. Est-ce que... Ouais, la mission, c'est les cuisses en feu. J'avoue que ça titille ma curiosité, quand même. Je vais quand même vérifier un truc. Je me permets, hein. Oh mon dieu. Je sens que je regrette déjà pas. Je t'attendais, Cloud. Bienvenue dans ma salle de muscu. Le mec est fake. Juju, coach sportif. Juju, je m'attendais pas. Si tu as un peu de temps et envie de t'amuser, j'ai un défi pour toi. Que dirais-tu d'affronter un de nos membres? T'es sérieux, Juju? Cette demi-portion, je vais le réduire en miettes. Il a aucune chance. Tu devrais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. D'accord, Cloud? Viens me parler quand tu seras prêt pour le défi. Ah mais putain! C'est pas le truc où tu dois faire des haltères dans le jeu de base? Ça me parle en ça fait, y est, ce truc-là. Tu es prêt pour le défi? Mais oui! Oh là là! Oh mon dieu. Alors attends. Ok. Duel de squat débutant. On affronte Pony. T'es venu te mesurer à moi? T'as du courage pour te frotter à mes muscles. Ok. Faudra pas venir pleurer après! Je suis prêt. Demi-portion! Ok, ok, ça suffit. Vous allez vous affronter au squat. C'est comme ça qu'on mesure notre force. Sans que Fred, quand il va en être là dans le jeu, il va vous faire une imitation de Thibaut InShape dont il a le secret. Incroyable. C'est quand tu veux! Ok, alors attends, règle des squats. Pour gagner, il suffit d'effectuer plus de squats que votre adversaire en suivant les indications données par les icônes qui disparaîtront au cours du duel. Bien. Ok. Un squat en vrai. Oh, vous êtes chaud. Oh, magnifique. Pas mal du tout. Continue comme ça. Sublime posture. Ça va. Fais plus attention au rythme. Et pourquoi je me casse la gueule? Attends, faut refaire. Non, je me casse la gueule. Ah, mais c'est compliqué. On en fait. 3, 2... Tu t'en sors très bien. Oh, magnifique. Continue comme ça. Eh, pas mal du tout. Sublime posture. Tu t'en sors très bien. Oh, magnifique. Eh, pas mal du tout. Continue comme ça. Eh, pas mal du tout. Oh, magnifique. Sublime posture. Tu t'en sors très bien. Ok. C'était couru d'avance. Bon, ok, très bien.
Il y en a d'autres ? Non ! Pourquoi ? Comment une demi-pension telle que toi peut gagner face à un champion comme moi ? Le sens du rythme, Ronny, le sens du rythme. Il y a pas que la taille des muscles qui compte, mon vieux. Ça vous apprendra à ne plus juger les gens sur leur apparence. Vous avez perdu parce que vous étiez trop sûr de vous. Que ça vous serve de leçon. Merci d'avoir aidé les membres de mon club. Je sais pas si je suis prêt pour la suite. Cloud, à partir d'aujourd'hui, nous te considérons comme l'un des nôtres. N'hésite surtout pas à passer quand tu auras envie de transpirer un peu. Il faut entretenir tes muscles et ton mental régulièrement. T'es pas prêt, me dis-toi. Oh, il est beau. Oh, la petite pose comme ça, il était trop bien. N'hésite pas à aller voir Jay ou Ronnie quand tu voudras te refaire. Ah là là. Qu'est-ce qu'il me dit, Ronnie? T'es venu te mesurer à moi? Pourquoi débutant? Non, je vais faire amateur maintenant, moi. Aïe, aïe, j'ai une crampe au bras. Tu veux me défier? Ok, approche. Ok. On est prêt. Je vais te ratatiner. On va voir ça, je bouge tout. Contrôle ta respiration. Je recommence. Il y a eu une embrouille, il y a eu un souci de rythme. Tu tiendras pas IRL par contre. Bah ça dépend si on accélère ou pas quoi. Oh la musique! Spouet. La déchirure des cuisses enlève. Eh oui, c'est ça. Les cuisses de fer. Les cuisses d'acier, c'est maintenant. Oh, le temps de chargement. Mon dieu, PS4 Pro, que fais-tu? Vivement le SSD de la PS5. Ok, approche. Allez, viens là, je suis prêt. Jay. Je vais te ratatiner. Eh, pas mal. Allez, encore une fois. C'est chaud. Oh, magnifique. Continuez comme ça. Sublime posture. Tu t'en sors très bien. Eh, pas mal du tout. Continue comme ça. C'est tout ce que tu sais. Merde. Oh, il est en train de m'éclater. Pourquoi il m'éclate à ce point-là, lui? Sublime posture. Oh, mais je suis sûr que vous pouvez le faire. Tu t'en sors très bien. Continue comme ça. Eh, pas mal du tout. Sublime posture. Allez, on se motive un peu plus là. Continue comme ça. Tu t'en sors très bien. Oh, magnifique. Tu t'en sors très bien. Pas mal du tout. Vous vous débrouillez vraiment bien. Sublime posture. Continue comme ça. Tu t'en sors très bien. Pas mal du tout. Je suis sûr que tu peux faire mieux. Oh non, j'étais dedans là, putain. Ah! Ah, fais chier! Eh hey, oh! Mais j'ai un peu plus d'énergie quand même! Ah, oh, c'est compliqué! Allez, c'est parti! Surtout, n'oublie pas de t'amuser! Il me dit n'oublie pas de t'amuser, mais on est d'accord que là, on va pas s'amuser là! Oh! Faut lui montrer ce que tu sais faire! Vas-y, montre-lui qui est le patron, Juju. Mais comment t'as réussi à tenir? Un vrai match de champion. Je suis impressionné. Une vraie symphonie de muscles. J'entends tes muscles se contracter avec un vrai match de champion. Pour lui montrer ce que tu sais faire. Tu vas tomber, Juju. Mais comment t'as réussi à tenir? La perfection. Allez. Et un. Et deux. Et pour lui montrer son pantalon a craqué, Juju. Un vrai match de... On voit ton slip. La victoire des muscles la sur l'intellect. Mais comment t'as réussi à... Une vraie
Laisse ça, faut lui montrer ce que tu sais. La perfection. Allez, Juju, on est tous avec toi. Non mais Juju, ok, mais moi, bordel. Je suis impressionné. Un vrai match de Poly... Oh là là, là. Tu vas gagner. Mais comment t'as réussi, c'est un perfection. Une vraie souffle. Allez. Et un. Et deux. Oh, et je suis impressionné. Un vrai match. Mais comment t'as réussi. La perfection. J'entends tes muscles se contracter avec ardeur et bonheur. Pour lui montrer ce que tu sais. Une vraie souffle. Je suis impressionné. La perfection. Vas-y, montre-lui qui est le patron, je... Mais comment t'as réussi. Un vrai match. Oh, allez, Juju, on est tous avec toi. Je suis impressionné. C'est tout pour moi, merci. Incroyable. Non mais, pourquoi tout le long. Voilà, si le système de combat il était comme ça, mais moi ce serait nickel. Le first try. Bon bah c'est bon, voilà. Ah. Déjà fini. Bien. Non, non, je suis pas facile, en jeu normal. C'est pas grave. C'est pas grave. Aïe, 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 aïe. Tu réussirais à me battre comme ça. Tu es encore plus fort que je croyais. Les gars. Donc on a récupéré la ceinture de champion. Sérieusement. La prochaine fois. Est-ce que tu as les cuisses en feu? Honnêtement, ouais. Les tries d'avant en faisant le sport en même temps, c'était compliqué. Mais au moins, ça m'a permis de faire un petit peu d'exercice. Et ça, finalement, c'était ce que je cherchais en faisant le live debout. Vous voyez, finalement, il y a une. Ah, voilà le petit trophée quand même, s'il vous plaît. Alors, la ceinture, par contre. La ceinture, moi, je veux savoir. Elle est où cette ceinture de force? Alors, évidemment, c'est un accessoire. Ceinture de champion, pardon. Ah oui! Ah oui, c'est un bon accessoire, effectivement. Ok, très bien. Bon, ben voilà. Allez, on passe à la suite. Alors, je vois qu'il y a une autre quête annexe ici. Ah, les vêtements, évidemment. Genre. Bienvenue. Vous recherchez quelque chose en particulier? Ah, mais c'est vous, le fameux mercenaire dont tout le monde parle. J'aime quand le mec, il me regarde, il me dit... bonjour, fils de tailleur. Qu'est-ce que tu as à nous raconter? Il a ses habitudes au bar Pompette, juste à côté. Il est sûrement là-bas. Ah. La nuit est à nous. Bah oui. Oh, Cloud! Sam m'a raconté ce que tu faisais ici. T'es là pour sauver Tifa. Et du coup, t'as besoin de connaître un peu mieux Wall Market, c'est ça? T'as de la chance, je suis l'homme de la situation. Je connais la ville comme ma poche. Bon, commençons par honorer ta mission. Le Pompette, c'est par là. Direction le Pompette, c'est parti. Bon, désolé, je ne résiste pas à l'appel de la quête annexe, vu que la zone est quand même vraiment chouette. Je veux visiter le Pompette, ça a l'air chouette. Et ça rime. Hein? Bonjour. Oh, le quartier, mais ils l'ont tellement bien fait. Oh oui. Oh oui, alors là, attention. Ah, désolé. Messieurs, dames, excusez-moi. On va en reparler. C'est donc vous, son père. On se connaît. Quel visage stupide, en tout cas. Ah, je plains tes parents, mon garçon. Stupide? Bon, on n'a pas le temps. Je te ramène au magasin, grand-père. Non, j'irai pas. Je ne cherche plus rien, de toute façon. Laisse-moi mourir ici. Mais il faut pas dire ça, monsieur, enfin. Dites-moi ce que je peux faire pour vous aider. Oh, tu ferais ça pour moi, mon garçon? La vérité, c'est que j'ai perdu un pari contre le marchand de la boutique de Materia. Et à cause de ça, j'ai pas eu d'autre choix que de lui céder ma précieuse inspiration. Quoi? Mon inspiration, je te dis. Et sans ça, je suis complètement inutile. Ça sert à rien que je retourne au magasin. D'accord. Je suis pas sûr d'avoir tout compris. Mais en gros... Il suffit d'aller vous récupérer cette inspiration, c'est ça? On s'en occupe, papy! Eh ben, tu vas le laisser y aller tout seul? Si t'arrives à me battre, ah ah! Alors, il y a une histoire de musique hein, dans le coin, vous l'avez entendu, bien sûr. Oh, quelle classe! Je suis tout émue! Bonjour! Bonjour, jeune chanteur. J'ai un contrat chez Shinra Records, mais malheureusement, le succès n'est pas encore au rendez-vous. Ça fait 7 ans que je suis chanteur, et même si j'ai pensé plusieurs fois à abandonner, j'adore ce que je fais. C'est mon tout nouveau disque. Je vous l'offre, tenez. Merci beaucoup.
Bon alors autant la première mission a été cool avec les muscles, autant là j'ai pas très très envie de la faire, donc je pense qu'on va aller directement à la suite. Mais on a vu le bar pompette et ça c'était cool. Alors on va retourner voir où est Iris. Il doit être changé quand même depuis. Nous on revient, on est fort de tous ces squats qu'on a fait, c'est magnifique. Par contre attends, la carte. Ah oui d'accord, ok, je peux n'importe quoi en fait. On va aller par là-bas. Par là-bas. Voilà. Quoi? Allez. Oui. C'est Tifa. Elle est... J'ai essayé, mais... Calme-toi. Qu'est-ce qu'elle a, Tifa? J'ai appris que les auditions auprès de Don Corneo allaient bientôt commencer. Si on fait rien, Tifa risque de... Mais tout seul, moi, je peux absolument rien faire. J'ai compris. Je t'accompagne. Hé, hey, Cloud, tu permets que je t'appelle Frangin? Pas question. Bien sûr, frère. Tu sais... Moi, je me dis qu'à toi, je pourrais te confier Tifa, Frangin. Mais dis, Frangin, comment t'as fait pour devenir aussi fort? Qu'est-ce que j'ai dit? Cette façon que t'as de manier l'épée, je suis complètement sous le charme. Comme ça, là, tchac, slash, là, là. Moi aussi, j'aimerais assurer comme toi, tu sais. Bon, moi je vais attendre ici. Comment t'expliquer? C'est surtout que je veux pas te gêner, tu vois. Tu pourrais retourner chez Madame M et voir si Iris sort de là. T'auras qu'à lui demander d'attendre que je revienne. Compte sur moi! Ok. Qu'est-ce que tu veux? J'ai obtenu une lettre de recommandation. Hein? C'est réservé uniquement aux femmes. C'est Iris qui a été choisie. Ah. C'est la fille qui était avec toi? Dommage. Quoi qu'il en soit, les hommes peuvent pas entrer dans le manoir. J'ai pas besoin de ta permission. Hein? Fais pas n'importe quoi. Don Corneo est vraiment quelqu'un de redoutable. Si tu fais du grabuge ici... Quelqu'un devra forcément en payer le prix. Crois-moi, ça pourrait bien être quelqu'un que t'essayes de secourir. Ou encore quelqu'un qui n'a absolument rien à voir dans tout ça. T'as compris? C'est comme ça que ça marche par ici. Il reste encore un peu de temps avant que les auditions commencent. Si t'as vraiment une lettre de recommandation, tu devrais ramener cette fille. Personnellement, je te le conseille pas en tout cas. Intéressant. Pas de spoil sur le chat, je précise. Hein? Allez, courage. Vas-y. T'es très bien comme ça. Iris, c'est ça la robe qu'elle t'a donnée? Ouais, c'est très décevant, hein? Elle exagère. Non, mais franchement, elle aurait pu trouver un truc un peu moins ordinaire. Le but n'est pas de remporter l'audition, tu sais. Je sais, mais quand même. Tu as pourtant fait tout ce qu'il fallait faire. Enfin, j'espère. Tu as fait ce qu'il fallait. Dis-moi plutôt, Iris... Johnny, il t'a pas transmis mon message? Si, si, il l'a fait. Mais malgré ça, je me suis quand même inquiétée. Cet endroit est bien plus dangereux que je l'avais imaginé. J'ai aucune idée de ce qu'on va te faire pendant cette audition.
Y a pas le choix. Je peux pas te laisser y aller seule. Y aller seule? Ça n'a jamais été mon intention. Allez, viens par ici. Où est-ce que tu m'emmènes? Madame M m'a appris quelque chose tout à l'heure. Il paraît que quelqu'un s'intéresse beaucoup à toi, Cloud. Hein? Ah, donc en fait, si on avait fait la dernière quête secondaire, on aurait eu une robe de meilleure qualité, entre guillemets, c'est-à-dire plus tape à l'œil, etc. Donc ça veut dire qu'en fait, là, le chat, vous êtes en train de me dire que vous êtes tous superficiels, c'est ça le problème. Elle est incroyable comme ça, elle est très bien au naturel, je veux dire, mais... Oh, vous êtes trop difficile. Vous êtes beaucoup trop difficile. Bon, sur ce, on va faire la petite pause. Pour les gens qui sont sur le live, on fait la pause du coup, voilà, effectivement. Pour les gens qui sont sur la VOD, je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure Final Fantasy VII Remake avec, bien sûr, eh bien, Tifa, que nous allons essayer de secourir enfin des griffes de Don Corneo. À très vite.